voici pour vous mettre en appétit une huître de pimpol et bouillon de coriandre, maquereau mariné grillé, pommes de terre d'Artois et tartare de Saint-Jacques au jambon de Belliota, petite mousse au lait ribot, algues et galettes de blé noir. Beurre de baratte du Mont Saint-Michel. Petite prière farcée. Un pain au péquillos, un pain aux graines de pavot, un pain aux graines de sésame et un pain aux algues. Jacques de la Baie de Saint-Brieuc, qui sont saisis au cachemiri masala, nous sommes sur des épices indiennes. On va retrouver petits légumes croquants, navets, carottes et panais. Sur le dessus, vous avez du shisopour, qu'on est sur une herbe japonaise, endives de pleine terre et foie gras, et bouillon de pot-au-feu. Bon appétit, madame, monsieur. Nous allons retrouver pour poursuivre les ormeaux. Ormeaux rôtis accompagnés de patates douces chez Jean-Luc Le Goëlec, maraîcher. Accompagnés de citronnelle et d'un jus réduit à l'orange et à la carotte ou pas d'ouvant. On est sur des épices d'Inde. Bonne continuation. Et du rouge ébarbé accompagné de salsifis et trompette de la mort. Fleurs de sel cuisinées et couteau. Vous allez avoir aussi de la pancetta, chips de salsifis et un jus réduit à la betterave et au vinaigre de moscatelle. Bonne continuation. On va retrouver un thé vert à la menthe Nana Marocco accompagné de billes à la menthe. Bonne dégustation. La tarte fine au citron revisitée par le chef. Gelée de citron, sablé breton, guimauve au citron et croustillant aux agrumes. Et j'ai râpé sur le dessus, ce que vous allez retrouver aussi en petit, du citron mangouda. Pour vous, on va retrouver le soufflé à la pistache accompagné d'une glace chocolat réglisse. Donc un petit conseil de dégustation, c'est de plonger votre glace à l'intérieur de votre soufflé. Très bonne fin de repas à tous les deux. Donc vous avez de la guimauve à la citronnelle, des chocolats maison avec une ganache à la fève de tonka, et dans la petite cuillère, c'est une bille de crème brûlée.